Si je devais décrire les cégeps en un seul mot, ça serait ouverture. C'est vraiment au cégep, moi, que je me suis vraiment ouvert d'esprit à toutes les sortes de musiques. Moi, j'ai fait du classique depuis que je suis tout petit. Mais c'est au cégep que j'ai rencontré des musiciens là, de rock, de jazz, de pop, de métal, de toutes sortes. Puis je me suis lié d'amitié avec beaucoup de ces gens-là, puis j'ai commencé à faire de la musique avec eux. Puis c'est vraiment ça. J'avais peut-être des préjugés contre les musiciens qui connaissaient pas le classique ou tout ça. Et eux autres, même chose, il y avait des préjugés un peu contre moi, puis on s'est un peu rencontrés au milieu. Le cégep, ce que ça a changé dans ma vie, c'est de vivre, c'est de commencer à être un adulte aussi. Hein. C'est vraiment dans cette période-là, c'est 17-18 ans, là, qu'on se pose toutes sortes de questions. Puis, une des expériences les plus marquantes du cégep, c'était de faire cégep en spectacle. J'ai fait deux fois. Une fois en classique, puis ça n'avait pas donné grand-chose. La deuxième fois, j'ai monté un groupe de rock progressif avec des amis, un quatuor. Puis on a gagné la finale locale à Joliette. Puis ensuite, on a eu un prix à la finale régionale pour aller en France. Bien, aux jeunes qui vont bientôt rentrer au cégep, j'aimerais leur dire de ne pas avoir peur. Le cégep, c'est en fait, c'est tellement moins intimidant comme transition que, disons, primaire au secondaire. On rencontre des gens qui ont la même passion que nous. En musique, moi, c'était le cas. Il y a plusieurs avantages pour la société québécoise d'avoir les cégeps. C'est vraiment un entre-deux qui est super, je trouvais, qui nous prépare bien à la vie universitaire, beaucoup mieux que le secondaire, en fait. Je suis un ancien du cégep de Joliette et je souhaite un bon 50e au réseau des cégeps.